Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis trop contente de faire cette vidéo parce qu'on va faire une vidéo haul. Alors il y a plein de choses de plein de magasins différents. Donc c'est parti. On va commencer avec Primark. Alors on va commencer par ce petit sac qui est comme ceci. Donc il est vert kaki, il est comme ça dedans, il y a une petite fermeture éclair et il s'accroche comme ça, hop, avec une pression, voilà, et une petite chaîne dorée, et il a un petit perroquet, il est comme ceci, il est très mignon, je le trouvais très joli, et il m'a coûté 10 €. Ensuite il y a ces petites tongs, je me suis dit pourquoi pas, elles coûtaient 1,50 €, donc rien du tout quoi, et elles sont toutes mignonnes, elles ont des petits, bon après c'est des tongs normales hein, pour aller à la plage, l'été c'est toujours pratique, en plus ça s'abîme super vite les tongs comme ça en général, du coup voilà, 1,50 €. Alors ensuite j'ai pris un petit t-shirt comme ceci, avec écrit Texas dessus, je l'ai pris en taille L, il me semble, ouais, en taille 40, parce que je voulais un peu large, c'est pour le sport, donc c'est un t-shirt en coton, tout simple, je le trouvais très mignon et il a coûté 3 €, donc pourquoi s'en passer. Ensuite je me suis pris un t-shirt pour le sport, donc en fait c'est un t-shirt avec une brassière intégrée, il est orange fluo, entre le orange et le rose en fait, ouais, il est plutôt rose, vous le voyez bien orange mais en fait il est plus rose en vrai, donc il est comme ça avec la petite brassière, ah mais en fait il est à l'envers, attendez, voilà. Là il est à l'endroit. Donc il y a la petite brassière gris chiné comme ça dessous avec l'élastique. Et par dessus le petit tricot où donc derrière c'est très échancré. Et voilà, et donc on voit les côtés aussi. Je l'ai pris en taille S parce que je préfère quand c'est super serré. Pour les petits tricots comme ça. Pour le sport en fait, pour que la brassière elle soit bien serrée. Donc je l'ai pris en 36 et je l'ai payé 9 €. Voilà. Et il est assez long, hein. Du coup c'est bien pratique. Je me suis pris des petites soquettes comme ceci, vous savez c'est pour mettre dans les baskets pour pas qu'on voit la chaussette. Donc ça j'en prends tout le temps, 3,50 €, voilà, j'en prends tout le temps à chaque fois que je vais chez Primark ou à chaque fois que... Ouais, chez Primark elles sont vraiment pas chères, donc il vaut mieux en profiter. J'ai pris des petits bracelets comme ceci. Voilà, c'était un lot de petits bracelets, donc il y en a plein de différentes formes. Donc ça m'a coûté 3 €. Voilà, j'ai trouvé que pour les mettre tous en même temps sur le poignet, ça peut être joli. Et ensuite, je me suis pris des petites lunettes comme ceci. Donc elles sont entre le vert et le bleu, je dirais. Et donc elles sont toujours vendues avec la petite pochette pour les ranger dedans chez Primark. C'est bien pratique. Et donc elles ont coûté 4 €. Ouais, ils disent que c'est bleu. Et voilà. Je trouvais que pour l'été, c'est super sympa d'avoir des petites lunettes comme ça. Je trouvais ça très joli. On va passer donc à H&M. Alors, j'ai pris cette petite robe. Comme ceci. Donc noire avec des petites fleurs. Elle a les bras tout en transparent. Comme ça, donc elle est en manche longue mais c'est vraiment super fin et assez ouvert sur le côté ici, donc elle est comme ça, elle a des petites voilettes en bas, elle est doublée donc avec une sous-robe noire dessous et derrière elle a un petit nœud et elle est assez assez jolie, je trouve que dessus elle donne super bien, donc j'ai prise en 38 et elle a payé, elle m'a coûté 24,99 €. Donc chez H&M, j'ai pris aussi ce petit top, comme ceci. Donc il est blanc tout simple, super, super évasé, donc il ne marque pas du tout la taille, rien du tout. Et dans le dos, il est comme ceci, avec des petites ficelles qui forment une croix. J'en avais déjà un comme ça, mais il était devenu tout pourri. Du coup, je me suis dit, allez, je le reprends parce que j'adore. Et en plus, il est doublé. Enfin, vous voyez, il y a deux petites voilettes. Du coup, ça donne un petit effet... drapé dessus, c'est très joli et il tient pas du tout chaud pour l'été quand il fait vraiment chaud, c'est bien pratique. Ensuite chez Zara je me suis pris ce petit pantalon, donc c'est un jean comme ceci et la particularité c'est que au fond il est tout déchiré comme ça, il est tout destroy,
avec des petites franges, ça lui fait. Donc je l'ai trouvé très joli. Il est très court en fait, hein, c'est un espèce de trois quarts. Enfin, sur moi, ça donne court. Je l'ai pris au Trafaluc. Donc en 38, il m'a coûté 29,95€. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce petit jean. Et donc ensuite, on va passer à Bershka. C'est la plus grosse partie du haul. Donc je me suis pris ce petit top. Hop, comme ceci. Donc c'est un espèce de crop top, mais il est quand même assez long. Il arrive en dessous du nombril hein, quand même. Donc il est quand même assez long. Il a les bras séparés. Moi je fais bien attention à chaque fois à prendre des tops avec le bras comme ça, séparé vraiment. Parce que quand c'est en un seul truc, quand vous levez les bras, hop, il y a tout qui remonte. Là au moins vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc il est comme ça, fleuri, blanc avec des petites fleurs. Et la particularité qu'il a, c'est qu'il s'attache dans le cou comme ça. Et ça vous fait comme un rat de cou. Donc c'est très joli. Il faut voir porter parce que sinon ça donne rien. Il m'a coûté 17,99€. Ensuite je me suis pris un petit jean gris comme ceci. Donc les jeans de chez Bershka, moi je les aime bien. Donc c'est un slim, il est super serré au pied et ils sont assez larges et extensibles de la taille, du coup j'ai bien aimé. Il est tout simple, tout gris comme ceci, c'est pas un push-up, ils appellent ça voilà skinny regular. Il m'a coûté 19,99€. Ensuite j'ai pris un petit top comme ceci, j'ai trouvé trop mignon. Avec des petits coquillages pour faire un petit clin d'œil sirène. Donc c'est un débardeur rose comme ceci, tout simple. Je l'ai pris en taille M et il coûtait 4,99€. Ensuite j'ai pris un petit short comme ça pour l'été. Donc il est bleu clair. La particularité c'est qu'il a des petits liens sur le côté comme ça, un petit cordon. Et qu'il est tout déchiré à l'arrière. Donc il est coupé comme ceci. Je trouve que la coupe elle est nickel, elle est très très bien. Il est ni trop court ni trop long. Franchement il est trop top, j'aime beaucoup avec le petit haut rose que je vous ai montré tout à l'heure, ça va trop bien et il m'a coûté 24,99€. Et ensuite je me suis pris un petit ensemble, alors c'était pas vendu ensemble, c'était vendu séparément. Donc c'est un petit short comme ceci qui est noué à la taille, donc il est taille haute. Donc c'est un espèce de blanc cassé avec des petites rayures comme ça, il a des petites poches et il est super fin, donc pour l'été il est super, il va pas du tout tenir chaud quoi que ce soit et je le trouve trop trop beau. Il a coûté 15,99€, donc autant vous dire que ça vaut vraiment le coup. Et avec j'ai pris la veste donc qui est assortie en fait comme ceci, donc c'est la même texture, c'est une texture très fine, elle est retroussée aux manches comme ça, mais bon après si vous voulez l'enlever vous pouvez, mais moi je trouve que c'est ça qui donne qui est super joli. Donc c'est un espèce de blazer en fait tout simplement qui est super fin et voilà, il est super long et en fait les deux associés ça donne vraiment une tenue, j'adore. Donc la veste elle a coûté 35,99€, voilà, donc c'était l'article le plus cher de la de chez Bershka. Et franchement je trouve que ouais, les deux, le short et la veste, ça donne vraiment un look super classe et super beau pour les soirées d'été. Je trouve ça trop joli. Donc voilà tout le monde, le haul est terminé. Je vous ai montré tous mes petits achats. Donc c'est quand je suis partie à Bruxelles en fait que j'ai fait ces petits achats. Je vous ai filmé un vlog là-bas. Donc je vais vous faire un petit vlog qui regroupe un peu tout ce que j'ai fait. Donc n'hésitez pas à rester connecté. Il va arriver bientôt. En tout cas moi en attendant je vous dis de passer une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Et n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le gros bouton. Et si tu veux regarder ma dernière vidéo, c'est par ici. Bisous !